Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga 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 Shwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga 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 Shwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Biddiya be mudki biddiya be biddiya be mudki biddiya be nidina hodaki iru bhala jwaaki nidina hodaki iru bhala jwaaki biddiya be mudki biddiya be biddiya be muduki biddiya be saddakidu hulagura santi gaddala dolagyaka ninti saddakidu hulagura santi gaddala dolagyaka ninti ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಿದರ ಎದ್ದು ಹ್ಯಾಂಗ ಹಿಂದಕ ಬರತಿ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಿದರ ಎದ್ದು ಹ್ಯಾಂಗ ಹಿಂದಕ ಬರತಿ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿ ಮುದುಕಿ ನೀನು ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತಲ ಇಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಉಟ್ಟ ಹೊತ್ತಾಳು ಜ್ವಾಕಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತಲ ಇಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಉಟ್ಟ ಹೊತ್ತಾಳು ಜ್ವಾಕಿ
ಕೆಟ್ಟ ಗಂಟಿ ಚೌಡೇರಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಕದ್ದಾರು ಜ್ವಾಕಿ, ಕೆಟ್ಟ ಗಂಟಿ ಚೌಡೇರಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಕದ್ದಾರು ಜ್ವಾಕಿ. ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿ ಮುದುಕಿ ನೀನು ಬಿದ್ದಿಯಬೇ ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯಬೇ, ಹೋ ಬಿದ್ದಿಯಬೇ ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯಬೇ. ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯಬೇ ಬಿದ್ದಿಯಬೇ ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯಬೇ, ಓ ಬಿದ್ದಿಯಬೇ ಹೋ ಬಿದ್ದಿಯಬೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ à tous. Well, eh bien, if you were a virus, si vous étiez un virus, lot of good news, beaucoup de bonnes nouvelles. Being human beings, en tant qu'être humain, beaucoup de mauvaises nouvelles. J'espère qu'ils n'écoutent pas le darshan. En particulier aux États-Unis, c'est très préoccupant. Le nombre déclaré de victimes a dépassé les 37 000. Et ça s'étend géographiquement. Et malheureusement, tout un tas de gens vivant seuls chez eux sont trouvés morts, tout seuls. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'ont pas pu appeler quelqu'un en urgence ou autre. Mais des centaines de corps sont trouvés chez eux, seuls. Donc ce sont probablement des gens ayant d'autres problèmes médicaux, comme des problèmes cardiaques, et ils ne passent pas par les symptômes habituels, mais à cause d'une crise cardiaque ou autre chose de ce genre, ils meurent à cause de ça. Donc, il y a encore beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Je sais que tout un tas de gens en Inde sont impatients d'aller dans les rues le 20, pensant que ça va être assoupli. Je ne pense pas que ça va être assoupli le 20, à part quelques services et certaines activités économiques, comme l'agriculture et quelques autres. Je ne pense pas que la nation puisse se permettre de faire ça. Mais même le 3 mai, quand ce sera assoupli, nous devons comprendre que c'est dû à des compulsions économiques, pas parce qu'on a conquis le virus. Les compulsions économiques nous obligent à faire certaines choses, parce qu'on ne veut pas que la solution devienne plus coûteuse que le problème. Et lentement se dirige vers là. Même les États-Unis parlent d'assouplir et de repartir travailler, et voyons ce qui va se passer. Eh bien, ce qui va se passer ne sera pas très agréable. Donc, je ne pense pas que... J'entends divers dirigeants dans le monde et autres. Je ne pense pas que quiconque sache exactement comment gérer ça. On essaie seulement de le ralentir avec des confinements. Personne ne sait. Donc,
C'est une guerre sans tirer une balle. Une grande leçon pour toute l'humanité. Parce que au XXe siècle, nous avons connu beaucoup de guerres, deux guerres, qu'on a pu appeler mondiales, où les morts se comptaient par millions. Quand la Première Guerre mondiale a eu lieu, de bien des façons, comme c'est dans le même espace géographique, l'Europe, c'est là que ça a commencé, et les gens ont pensé, on ne va plus jamais refaire cette erreur, parce que ça a été un tel désastre. En 1918, quand la guerre s'est terminée, comme si ça ne suffisait pas, la grippe espagnole est arrivée. Plus de 50 millions de personnes sont mortes à travers le monde, y compris probablement 3 millions en Inde. Après cette expérience, de bien des façons, les gens ont pensé, ça suffit, on ne va pas recommencer ça. Mais dans la vie de la même génération, pas même la génération suivante, au cours de la vie de cette génération, on s'est lancé dans une deuxième guerre mondiale, qui, si vous regardez en arrière lors de la Première Guerre mondiale, le genre d'armes qu'ils utilisaient, et à la Deuxième Guerre mondiale, le genre d'amélioration qui avait eu lieu, si vous regardez ça, de toute évidence, après la Première Guerre mondiale, tout le monde se préparait à la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il y a eu un immense bond en avant en termes d'armement. Donc, ils ont passé ces quasiment 30 ans principalement à améliorer les armes pour pouvoir causer un plus grand désastre, ce qu'ils ont fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, des institutions mondiales ont été créées pour faire en sorte d'éviter les guerres. Mais certains chiffres disent, ce chiffre date de 2000. Il est encore valable, je crois. Parce que depuis 2000, tant de guerres ont eu lieu. Depuis 1945, quand la guerre mondiale s'est terminée avec deux grosses tâches sur l'humanité, les deux bombes nucléaires lâchées sur des gens qui n'avaient aucune idée de ce que c'était. Depuis ce moment-là, jusqu'à l'an 2000, les chiffres disent que pas un seul jour n'est passé sur cette planète sans qu'il y ait une guerre ou des affrontements. Tous ces 56 ans, ça a continué. Eh bien, à partir de 2000, vous en avez tous été témoins. Combien de nations ont été ravagées? Donc, maintenant, nous sommes en guerre. Parce que ce qui se passe en ce moment doit à coup sûr être géré comme si on était en guerre. Mais une armée plus douce de gens, des médecins et des infirmières, se battent. Mais tout un tas de gens sont déterminés à veiller à ce que la guerre fasse un maximum de dégâts. Malheureusement, les gens protestent dans la rue contre le confinement aux États-Unis. Dans d'autres pays aussi, de petites manifestations ont eu lieu. En Inde, certaines personnes qui veulent consciemment le propager crachent sur les légumes avant de les vendre. Des gens infectés. Il est vraiment malheureux que ceci ait été l'état d'esprit de l'humanité pour une raison ou pour une autre. Eh bien, quelque part, nous avons une attraction fatale pour le chaos.
Nous voulons le chaos. Nous pensons que ça n'arrivera qu'aux autres. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand ça arrive à d'autres, ça va nous arriver à nous aussi. Mais le niveau de préjudice, le niveau de haine, le niveau de rancœur, à tel point que vous voulez endommager la vie de quelqu'un d'autre, ont malheureusement pénétré si profondément le cœur de l'homme. Les races, les religions, les nationalités, les idéologies, ces fichues choses ont fait tellement de dégâts ces derniers siècles, c'est à peine croyable. La quantité de souffrance que l'on s'est empilée les uns sur les autres au nom des races, des religions, des frontières nationales et des intérêts nationaux, et bien sûr pour des raisons idéologiques. Est véritablement... C'est très clair. Dès l'instant où vous vous identifiez avec l'une de ces choses, fortement, que ce soit votre race, ou en particulier votre religion, parce que là, vous avez une approbation divine pour faire des choses horribles, la nationalité aussi, c'est très bien que nous appartenions à une nation parce que c'est comme ça qu'on peut gérer le monde, parce qu'on n'a aucun mécanisme pour gérer le monde entier. Nous devons gérer les nations, c'est la seule façon de gérer les gens. Et les idéologies stupides que vous concoctez dans votre tête deviennent plus sacrées que la vie elle-même. Eh bien, pour que l'humanité arrive à devenir, d'une certaine manière, pas totalement libéré, mais au moins raisonnablement délivré de ces fichues choses, se tourner vers l'intérieur, une expérience au-delà des frontières physiques, que l'on appelle processus spirituel, essentiellement c'est cela. Votre identité n'est pas limitée à des frontières physiques, que ce soit celle du corps, ou d'une communauté, ou d'une race, ou d'une religion, ou d'une nationalité, ou d'une idéologie. C'est tout ce que ce processus spirituel veut dire, que votre frontière n'est pas limitée par une quelconque entité physique. Si ceci n'a pas lieu à grande échelle, au fur et à mesure de l'accroissement de nos compétences, au fur et à mesure des progrès de notre science, nos désastres vont devenir plus ignobles, plus compliqués et plus sinistres. Donc la compétence humaine est devenue un immense problème en ce moment, simplement parce que les gens sont identifiés à de petites choses. En tant que génération, si l'on ne s'efforce pas d'amener les gens au-delà de leur identité limitée, avec ces quatre ou cinq choses, ces quatre ou cinq choses, si vous me demandez, je sais que les gens vont m'attaquer pour ça, ces quatre ou cinq choses que j'ai mentionnées, race, religion, idéologie, elles doivent être mises dans la catégorie des gros mots dans nos langues, parce que c'est la pire sorte de crasse qui soit arrivée à l'humanité. La couleur de ma peau, les absurdités auxquelles je crois, et quelque chose que je fabrique dans ma tête et que je rends sacré. Ces choses ont fait faire aux êtres humains des choses dont aucun être humain ne peut être fier, mais ils en sont fiers, parce que quelque chose de plus que leur intelligence le leur dit. Et ils entendent des voix. D'ailleurs, donc, à une époque comme celle-ci, chaque être humain censé sur cette planète, si on ne se lève pas pour agir maintenant, eh bien, ça montre clairement que nous ne sommes pas intéressés par le bien-être futur de la race humaine. C'est ce que ça veut dire.
Cette question est de Gayatri. Namaskaram Sadhguru. D'après ce que je comprends, Dieu est le créateur de toute l'existence et il est appelé Swayambhu. Quand vous parlez de la science de la fabrication de Dieu, je suis confus. Comment un fragment de création peut-il créer le créateur? Qu'est-ce que je fais? D'après ce que vous comprenez, Dieu est la source de la création, n'est-ce pas? C'est quoi? Il est le créateur. Donc comment un fragment de création peut-il créer le créateur? La deuxième partie, on va venir. Tout d'abord, ce que vous comprenez. Qu'il est le créateur de toute l'existence. Ok. La première chose, c'est que vous ne savez pas ce qu'est toute l'existence. Personne ne le sait. Quand vous ne connaissez même pas toute l'existence, comment se fait-il que vous connaissiez le Créateur? Ce que je dis, c'est que si vous ne pouvez pas voir le produit, vous n'êtes pas capable de même voir le produit entièrement, vous en voyez juste une minuscule partie, mais maintenant, vous savez qui l'a fabriqué et quelle est sa qualité. Comment il le fait? Vous savez tout. Donc il y a un sérieux problème dans ce que vous comprenez. Vous ne pouvez pas dire que vous comprenez. C'est simplement une certaine arrogance de l'être humain, parce que vous n'avez pas l'humilité de dire « je ne sais pas ». Donc vous comprenez toutes les fichues choses de façon fichtrement stupide. Et si vous rassemblez 1000 personnes autour de vous avec cette même croyance stupide, vous devenez une force puissante et vous avez une connexion avec le Créateur. Parce que quand tous les idiots disent la même chose, parmi les idiots, ça devient la vérité. Eh bien, vous ne savez pas où commence la création, où elle se termine. Mais vous savez qui l'a créé et comment. Et vous savez aussi qu'il s'est créé lui-même et que son sexe est masculin. Tout ça, vous le savez. Mais vous ne savez pas la moindre chose de vous-même. Donc, c'est exactement ce que je disais il y a 2 minutes. Vous êtes un grave problème. Vous pensez peut-être que vous êtes un être pieux et religieux, mais vous êtes un grave problème pour l'humanité. Vous êtes un grave problème pour chaque vie sur cette planète. Vous devez le comprendre. Parce que vous inventez des choses. Et comme même votre propre mental ne peut pas les accepter, vous les faites valider par l'autorité, parce que vous l'entendez en haut. Si vous entendiez les oiseaux, je peux comprendre. Si vous ne les entendez pas, ils vont laisser tomber quelque chose sur votre visage. Là, au moins, vous allez comprendre qu'il y a un oiseau là-haut. Mais vous inventez toutes ces absurdités parce que vous n'avez simplement pas le sens basique de l'humilité ou de l'honnêteté dans votre vie. Donc vous inventez toutes ces absurdités. Le fait est que vous ne connaissez pas la forme, la taille ou quoi que ce soit de cette création. Ceci est la nature de votre existence. Eh bien, votre compréhension, une fois qu'elle disparaît, parce que ce n'est pas une compréhension, si vous aviez clairement perçu « c'est comme ça », vous ne me poseriez pas de questions. Vous devez soit être réalisé, soit être un fanatique. Ces deux personnes ne posent pas de questions parce qu'ils savent. L'un sait, l'autre a rassemblé des gens. Donc les fanatiques croient de façon absolue que c'est comme ça, parce qu'ils ont rassemblé des gens et ils ne vivent qu'entre eux. Si vous leur posez 3 questions, vos paradis vont s'effondrer, vos écritures vont s'effondrer, tout ce que vous croyez va s'effondrer. C'est la raison pour laquelle on a toujours tué les gens qui posent des questions. Parce que c'est une autre façon de traiter la question. Oui, très efficace.
Quand vous ne savez pas la réponse à la question, tuez celui qui la pose. La question a disparu. Donc c'est ainsi que les questions ont été traitées. Maintenant, ceci est une question. Je ne vais pas faire disparaître celui qui la pose. Je veux faire disparaître la question parce que vous ne comprenez même pas. Vous n'avez aucun recul sur ce qu'est la création, ce que pourrait être sa source. Vous n'avez absolument aucun recul, où que ce soit. Tout cela provient de l'arrogance fondamentale qui consiste à croire que l'être humain est le centre de la création. Non, vous êtes un ver, vous êtes un insecte, vous n'êtes même pas une fourmi. La Terre-mère vous voit comme le coronavirus, parce que votre impact sur elle est exactement le même que l'impact du virus sur nous. C'est la même chose. Donc, ne supposez pas tant de choses. Si vous retirez ces suppositions, alors vous devenez un état permanent d'émerveillement. Tout ce que vous voyez, trop fantastique. Vous ne pouvez pas comprendre une fichue feuille dans toute votre vie, je vous le dis. Si vous vivez 100 ans, si vous regardez une fourmi pendant 100 ans, vous ne comprendrez toujours pas comment elle est faite. Mais maintenant, vous savez comment le Créateur est fait. Vous dites qu'il est Swayambhu. Eh bien, Swayambhu veut dire autre chose, pas ce que vous pensez. Il s'est fabriqué lui-même. Vous aussi, vous vous êtes fabriqué, n'est-ce pas? Vous êtes né comme ça, maintenant vous êtes devenu comme ça. Vous êtes-vous fabriqué ou non? Et toutes ces choses stupides que vous pensez et croyez, vous les avez aussi fabriquées. Peut-être que vous avez une communauté qui vous soutient, et peut-être que vous avez un livre qui soutient votre communauté, mais vous croyez en des choses que vous ne savez pas. Pourquoi ne pas être suffisamment humain pour dire « je ne sais pas » ? Alors il y a une possibilité d'améliorer votre perception. De là où vous êtes, au moins vous pourriez passer à l'étape suivante. Sadhguru, on est tous venus ici, on est assis dans ce darshan, parce qu'on pensait que vous alliez nous faire tout comprendre. Non, j'essaie juste de vous faire comprendre que vous n'allez jamais comprendre la moindre chose de cet univers. C'est tout ce que j'essaie de vous faire comprendre. Ce ne sera pas le cas. Vous pouvez éprouver, c'est un privilège. Ça non plus, on ne le sait pas. Pourquoi ce privilège nous est accordé, de pouvoir éprouver les choses, comprendre? Qu'avez-vous compris? Une seule chose. Avez-vous compris quelque chose? Un atome, l'avez-vous compris? L'atome est vide à plus de 99%. Avez-vous compris ces 99%? C'est 0,0001%. Vous les avez compris à partir de ça? Eh bien, la première chose que vous avez faite, c'est une bombe. Oui, c'est la première chose que vous avez faite. C'est ça que vous avez compris. Vous avez pris un constituant de la nature physique et vous en avez fait une terrible force destructrice. C'est ça que vous avez compris. Donc, quelle était la dernière partie de la question ? Comment un fragment de création peut-il créer le Créateur? Ah. Voyez, ceci est arrivé. Son fils était à l'université aux États-Unis. Université américaine veut dire que si l'enfant de quiconque va dans une université américaine, les parents vont croiser les doigts et espérer qu'il va se sortir de ses 4 ans sans devenir accro, sans se perdre, sans être tué, quelque chose. Je n'essaie pas de dresser un tableau très sombre d'une nation, mais malheureusement, c'est devenu comme ça chez les jeunes. Si vous passez 4 ans là-bas et que vous en ressortez sans vous droguer ou fumer ou boire, vous êtes comme... Vous avez dû être cinglé dans votre université. Vous étiez probablement le seul cinglé. Donc vous savez que votre enfant n'est pas un cinglé.
Donc, la mère se fait du souci, que peut-il bien faire? Donc elle décide que pour son anniversaire, elle va lui envoyer une Bible avec une très belle reliure, pleine d'ornements, en espérant qu'il va ouvrir ce livre. Il n'a très probablement pas ouvert un seul livre depuis qu'il est là-bas, on ne sait pas. Mais elle espère qu'au moins il va peut-être ouvrir ce livre et que quelque chose va lui rester. Donc elle l'emballe et va à la poste. Le postier lui demande, « Y a-t-il des choses qui peuvent se casser dans ce paquet ?» Elle dit, « Uniquement les 10 commandements. » Donc, elle a peur que son fils les enfreigne tous. S'il en enfreint 50%, 5 d'entre eux, 6 d'entre eux, et qu'il revient avec au moins 4 intacts, elle se dit que c'est une réussite. Mais elle a peur qu'il enfreigne tous les 10 et qu'il ne revienne pas. Tous les parents passent par là dans le monde de nos jours, pas seulement aux États-Unis, partout. C'est davantage le cas là-bas parce que la plupart des tendances commencent là-bas et lentement se répandent partout dans le monde, y compris dans les zones urbaines en Inde. Ça devient tout à fait comme ça. Donc, est-ce que vais-je connaître la nature de l'existence et la nature du Créateur ? Vous ne la comprendrez jamais, mais vous pouvez en faire l'expérience, parce que la nature de la création est telle que, comme je le disais, même en ce qui concerne le virus, la nature de la création ou la nature de la vie sur cette planète est telle que la vie est toute entremêlée. Il n'y a rien de tel que vous en tant que vie séparée. Il y a des millions de bactéries qui vivent dans celui-ci, énormément de virus qui vivent là-dedans. Cette chose-là est un peu plus problématique que les autres, donc on gère, on a conclu des accords avec eux. Quand vous mangez, quelque chose entre en vous, quand vous marchez, quelque chose entre en vous, si vous ouvrez la bouche, ça entre en vous, si vous n'ouvrez pas la bouche, ça va passer par les narines. C'est pour ça que tout le monde est emballé en ce moment. Donc ceci est la nature de la vie, tout se mélange. C'est aussi la nature de la création, ce qui est la création et ce qui est la source de la création est tout emmêlé. Autrement, vous ne grandiriez pas comme ça. Vous n'avez pas pris des briques et du ciment pour vous donner cette taille et cette forme. Ça a eu lieu de l'intérieur. De toute évidence, ce qui crée ceci fonctionne en vous. Comme c'est en vous, vous devez comprendre ceci très clairement. C'est uniquement parce que c'est en vous que vous avez la capacité d'éprouver. Parce que toute expérience humaine n'a lieu qu'en vous. Vous pensez que vous arrivez à voir cet arbre, que vous voyez cet arbre. Ce n'est pas vrai. La lumière tombe sur lui, est réfléchie, arrive, passe à travers votre lentille, image inversée sur la rétine. Vous connaissez toute cette histoire du fonctionnement de l'œil, au moins la base. Donc vous ne le voyez que de la façon dont il est projeté sur votre mental. Comment le perroquet voit l'arbre, vous ne le savez pas. Comment une fourmi voit l'arbre, vous ne le savez pas. Comment un éléphant voit l'arbre, vous ne le savez pas. On a une vague idée, mais vous savez comment vous le voyez. C'est la façon dont vous le voyez. Donc, vous ne faites l'expérience de toute chose, la lumière et l'obscurité n'ont lieu qu'en vous. La douleur et le plaisir n'ont lieu qu'en vous. La joie et le malheur n'ont lieu qu'en vous. La souffrance et l'extase n'ont lieu qu'en vous. Tout ce que vous croyez savoir n'a lieu qu'en vous. Ou en d'autres termes, vous ne savez ou vous n'êtes capable de savoir que ce qui a lieu en vous. Vous n'êtes pas capable de savoir quoi que ce soit d'autre. Vous vous appuyez sur l'instrument de perception fondamentale qu'est le mécanisme humain et vous supposez que ce que vous percevez est tout. C'est une vision complètement fausse de la vie. Une complète méprise. C'est une vision de trou de serrure de la vie. C'est comme si vous regardez à travers une serrure, disons qu'une vache passe.
Lentement, la vache avance. Vous voyez le nez. Ces jours-ci, vous avez peur du nez, je le sais. Donc vous couvrez le vôtre, puis vous voyez le museau, puis vous voyez ses yeux, puis vous voyez ses cornes, puis vous voyez son cou, puis vous voyez le corps. Il passe comme un mur, puis vous voyez la queue, n'importe, morceau par morceau. Maintenant, à chaque morceau, vous tirez à chaque fois une conclusion. La conclusion que vous avez tirée quand vous avez vu le museau a naturellement changé quand vous avez vu les cornes. Elle a naturellement changé avec chaque partie. N'est-ce pas la façon dont on explore ce qu'on considère être la science? Chaque jour, notre idée de la création change. Et, eh bien, les opinions sur le Créateur sont sans fin. Donc, quand on a dit « fabrication de Dieu », on ne parle pas de Dieu comme le Dieu. On parle de créer un yantra, un outil, avec lequel, si vous pouvez mieux marcher avec quelque chose qu'avec vos jambes seules, tant mieux pour vous. Si vous pouvez, au lieu de courir, utiliser un vélo, c'est vraiment merveilleux. Faites une chose. Maintenant, vous devez aller dîner. On va faire ça à partir de demain pour vous. Aujourd'hui, on n'est pas organisé. Il n'y a que si vous arrivez là-bas, on va arrêter le darshan juste 2 minutes avant 7 heures. Il n'y a que si vous y êtes à 7 heures que vous allez avoir à manger. Autrement, vous n'aurez rien. Vous allez tous commencer à courir. C'est seulement à 70-80 mètres d'ici, non? Peut-être? Non, peut-être environ 250 mètres d'ici. Mais vous verrez, la plupart des gens ne vont pas manger. Que vont-ils faire? D'ici après-demain, ils auront tous trouvé un vélo, parce qu'on n'autorise pas les autres véhicules. Ils vont trouver un vélo. Ensuite, le lendemain, vous verrez, seuls ceux qui ont un vélo vont manger. Donc, comme on a réalisé ça, on a inventé toutes sortes de machines. Ceux qui ont des instruments pour améliorer leur performance réussiront mieux. Aujourd'hui, on dit, certains pays sont technologiquement avancés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont de meilleures machines, donc ils s'en sortent bien. Donc ici, dans cette culture, on voyait les divinités comme des machines ou des yantras. Partant de là, est-ce qu'on a réussi? Bien sûr. Phénoménalement. En avance sur le reste du monde. Quand les gens étaient encore en train de chasser et de se regrouper dans la plupart des parties du monde, ici nous étions au plus haut niveau des mathématiques, de musique, de diverses sciences, et vivions très très, vous savez, riches pour cette époque. Et il y a encore seulement 250 ans, c'était la culture la plus prospère. Plus de 33% de la production mondiale venait d'Inde. Vous pensez que tout cela est arrivé sans aucune technologie? Un autre genre de technologie. Parce qu'on ne pensait pas à construire des machines, on pensait à des technologies qui allaient améliorer cette machine. Au fur et à mesure de l'amélioration de cette machine, le niveau de performance, d'intelligence, de subtilité de la culture, ça a évolué comme nulle part ailleurs. Je ne dis pas cela par fierté nationaliste, je ne suis pas de ce genre. Mais en tant que peuple, en tant que culture, personne n'a exploré les rouages intérieurs d'un être humain comme l'a fait cette culture. Personne n'a investi autant de temps et d'énergie dans ces dimensions de la vie. Tout le monde a toujours pensé que les conquêtes extérieures sont la seule réussite. Donc ça a produit de grands conquérants, Alexandre, Gengis Khan, nous n'avons jamais produit quelqu'un comme ça. Ici, on a produit des sages et des yogis, c'est la seule culture, je veux simplement que vous regardiez en arrière et voyez, c'est la seule culture, encore aujourd'hui, notre histoire est marquée par nos sages et nos yogis de l'époque, pas par les rois la plupart du temps. Il n'y a qu'au cours des 300-400 dernières années qu'on parle des rois, autrement, en grande partie, on dit, ça, c'est l'époque de ce sage, et ça, c'est l'époque de ce yogi. Simplement parce qu'on a mis l'accent sur la transformation de cette machine en une machine à haute performance. Pour que cette machine fonctionne à un niveau où elle a l'air surhumaine,
pas en termes de performance physique, en termes de perception, parce qu'on a vu qu'il n'y a qu'en améliorant la perception que la vie peut être améliorée. Il n'y a tout simplement pas d'autre moyen. Si vous voulez vous améliorer, vous devez pouvoir voir quelque chose, vous devez pouvoir entendre quelque chose, vous devez pouvoir savoir quelque chose qu'habituellement les gens ne sont pas capables de savoir. Dans ce cadre, nous avons créé des divinités. Eh bien, le mot « Dieu » est un mot anglais. Ils ont commencé à utiliser le mot « Dieu », ils ont appelé tout le monde, chaque yogi, chaque sage de ce pays, ces idiots qui ont été éduqués dans le système anglais en Inde, y compris moi-même, ils nous appellent tous des hommes-dieux. Est-ce que quelqu'un a un jour prétendu que nous sommes des hommes-dieux? Mais ils utilisent ce mot. J'ai protesté dans beaucoup d'endroits, j'ai dit, il n'y a aucun homme-dieu, nulle part, personne ne l'a prétendu. Ce sont vous, les fichus hommes, qui créez ces hommes-dieux. Personne n'a jamais prétendu être un homme-dieu, parce que tout ça, ce sont des idées importées que vous avez adoptées en essayant de tout ruiner ici. Vous devez comprendre que dans cette culture, quiconque a développé sa perception est tenu en très haute estime parce qu'on pensait « ceci est la machine la plus importante » parce que c'est la machine la plus importante sur la planète, la machine la plus sophistiquée sur la planète. Bien la régler est plus important que de simplement créer d'autres machines. Vous n'avez pas arrêté de créer d'autres machines. Vous parlez toujours de déplacer les montagnes. Quel genre d'idiot va déplacer des montagnes? Je vous le demande. Allô, vous voulez que la montagne soit déplacée ici? Ceci est arrivé une fois. Shankaran Pillai arrive au centre Isha Yoga. Il s'enregistre à l'accueil et dit, « Je veux une chambre avec la meilleure vue. » Donc si vous ne le savez pas, ne vous précipitez pas, ne commencez pas à vous battre pour cette chambre. Le Chitra Block, premier étage, a la meilleure vue. Maintenant, bien sûr, Shivapadam est arrivé, c'est différent. Mais autrement, le premier étage du Chitra Block a toujours eu la meilleure vue dans cette partie de l'ashram. Donc ils le mettent au premier étage du Chitra Block. Le lendemain, il arrive à l'accueil et s'énerve. « J'ai demandé une chambre avec vue. » Il n'y a pas la moindre vue dans ma chambre. Ils lui disent, monsieur, on vous a donné le premier étage du Chitra Block, n'est-ce pas? C'est la meilleure vue. Où est la vue? Elle est bouchée par la montagne. En ce moment, vous vous dupez vous-même parce que vous n'avez fait aucun effort pour gérer votre intelligence comme il faut. Votre intelligence est le seul problème à l'heure actuelle, elle s'est retournée contre vous. Vous vous dupez vous-même. Maintenant, qu'est-ce que se duper? Ça a lieu de tant de façons que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est arrivé une fois. Une jolie jeune femme se retrouve mêlée à un drame de tribunal dans une histoire de mari et femme qui divorcent. Elle est mêlée à cela. Donc l'autre avocat qui représente la partie adverse, le côté de la femme, demande à cette fille, « Est-il vrai qu'en tenant la main de cet homme, vous êtes entré dans cet hôtel et que vous n'en êtes sorti que le lendemain matin? Est-ce vrai ?» Elle dit, « Mais j'ai été dupée. » Alors l'avocat demande, « Comment avez-vous été dupée ?» Eh bien, quand on s'est enregistré, il a dit au réceptionniste que j'étais sa femme. J'ai été dupé. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas grave. Si vous ne comprenez pas de telles choses, ça veut dire que vous êtes exempt de toute duperie. Très bien. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya
Shambho, Shambho, Mahadev.